Valence. Le 26. Les heures des champs, on l'aime pas. Timothée Hochet. Ouais. Qui joue là? Je suis Timothée Hochet, je fais des vidéos sur internet. Voilà, ma chaîne c'est Timothée Hochet, si vous me connaissez, je sais pas. Je fais des sketchs sur YouTube, des courts-métrages, donc voilà. Applaudissements. Juste Florian. Les enfants sont formidables. Il est où ton papa? Mon papa, bah, il a été... Ok, on s'en fout. Elle va t'asseoir. Donc, merci. Monsieur Juste Florian, c'est quand que ça revient à la web-série? Donc, ouais, je fais aussi web-série. Tout seul. Par contre, ça, c'est compliqué. Mais quand est-ce que ça revient? Deuxième semestre 2014. Ouais, c'est ça. Wow. Je vais y arriver. Non, en fait, il a un planning comme pour les films Marvel, tu sais. Il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3. C'est ça. Monsieur Timothée Hochet, là-bas. Oui. Quel était le but de ta vidéo? Bon, bah, le but de ma vidéo, c'était de parler... À partir de maintenant, j'essaie de parler d'un thème dans chaque vidéo. Et là, c'était le thème des conflits, tout simplement. Et je voulais explorer ce thème et voilà, et donner naissance à un personnage. Donc le personnage principal et parler de ça, voilà, de ma façon, de ma vision personnelle, des problèmes qu'on peut rencontrer au travail et puis de partout en fait. Voilà. Cette réponse me plaît. Super. Il y a un mec devant, il était. Oh voilà. Ah, je t'ai vu toi. Ouais, le mec avec le t-shirt là, t'es affiché là. Ouais. Sors. Alors, on a vu une autre de tes vidéos, Tim. Pourquoi t'as voulu explorer ce thème là de la thérapie sexuelle? C'est quelque chose que tu as vécu? Parce que c'est un gros porc. Non, bah j'ai vu ta vie et je me suis dit qu'il fallait faire un truc. Wow. Allez, on a des petites questions à poser. Ah ouais. Donc là, est-ce que vous connaissez le concept du poil et sèvres de Burger Quiz? Poil et sel. Non, alors, chevalier, tu vas te calmer tout de suite, j'ai entendu. D'ici. Vals, tango ou les deux? Hein? Les deux. Vals, vals, tango ou les deux? Vals, tango ou les deux, c'est pas compliqué. Tu veux l'affiche? Ouais, vas-y, envoie. Il s'appelle Emmanuel. C'est le point commun entre Sissi l'impératrice et Adolf Hitler. Vals. Vals. On ne souffle pas dans le public, s'il vous plaît. Oh, on va se calmer là. Sinon moi je lance un Cyril tout nu là-bas. Hein. Vous allez moins faire les marioles. Hein. Oh, bah vas-y, demande. Hein. Moi j'aime ça. Hein. Le problème, on a peur d'être censuré si on dit la réponse en fait. Bah vas-y, dis toujours. Surtout toi, hein, vu ton passif culturel. Alors, je tiens à préciser... T'as pas les yeux bleus? Non, attends, je suis lorrain, ok, la lorraine... T'as déjà un accent bizarre, moi, je trouve, hein. Ah ouais. Dis choucroute. Choucroute. L'Alsace ou quoi, tu veux que je parle de l'Alsacien? Non, mais... Pour l'histoire, en fait, c'est la Moselle. On veut la réponse. Non, mais c'est la Moselle, c'est pas la Lorraine entière qui a été prise. On est d'accord? Bah, je sais pas comment elle s'appelait, mais elle a bien aimé. Bravo. Très bonne. Mais sinon, la réponse, c'est Valls. Bon, la réponse là. Vals, vals. Voilà, la vals, bordel, c'est pas compliqué, putain. Ça vous a plu? Allez, dernier jeu de la soirée. Bah vas-y, présente-le, c'est ton jeu. Voilà. Alors, je vais vous demander de tous vous lever. On a confié à l'un d'entre vous une petite enveloppe, où il y a un message, on s'en fout du message, mais en fait, on va jouer à un qui est-ce géant, et vous allez être les petites choses qu'on rabat. Voilà. J'aime bien petite chose qu'on rabat. Attention, dernière question qui compte et vous allez gagner la soirée si vous posez la bonne question là. Est-ce qu'il a une enveloppe? Est-ce qu'il a un t-shirt violet? Ouais, c'était pas la bonne question, mais oui, il a un t-shirt violet. Non, vous trouvez pas qu'il ressemble à quelqu'un? Ouais. Flo, viens voir là. Flo, viens voir. Flo, lève-toi. Mais applaudissements pour Flo qui vient se lever. Tu viens là. Est-ce que c'est ton frère? On peut l'applaudir. Oui. Monsieur Timothée Hochet. Il demande à la tête. Quoi? Prends son micro. Bah écoutez, tout le monde a dit voilà ce qu'on pense. On s'en fout ta gueule. Vraiment, alors attendez, abonnez-vous. Merci vraiment d'être venu. Et puis moi j'ai envie de vous dire à la prochaine pour la nuit des youtubeurs 2. Hein, on verra si t'es sage pour Noël. Si t'es sage pour Noël. Ok.
Pour Noël donc, en décembre. T'oublies pas mon chèque, s'il te plaît, merci. Allez, merci. Casse-toi. Merci, monsieur Timothée. On y va, juste Florian, viens dire au revoir. Viens, juste Florian. Il est très bon de ton collabo. Petit lait chaud et d'aller dormir. Collabo. Collabo. Bah, je vais faire comme tout le monde, je vous remercie tous d'être venus, ça m'a fait super plaisir. c'était super bien la nuit des youtubeurs. J'ai un seul regret, c'est que ça finisse, oui. Et j'espère qu'on vous verra pour peut-être la deuxième, ça sera bien. S'il y en a une. Et demain, t'es au stand des Céréales Buster toute la journée. Oui, voilà. C'est ça. On a été obligés. C'est ma maman, elle a couché avec un Allemand. Allez, c'était juste Florian. A bientôt. Et pour la prochaine fois, je déménage. Hein. Je vais en Alsace.